est étrangement calme ici, tu ne trouves pas? Je n'avais jamais vu le col aussi désert. D'habitude, il faut des heures pour passer tellement il y a du monde. T'as vu ça? Oh, on dirait que celui qui abandonnait toutes ses affaires était très pressé, presque comme si... Chez Monsieur Coriander. Ah, une seconde, fiston. N'oublie pas d'aller chercher ton costume au pressing. Tante Patricia vient dîner ce soir. Oh, papa, le pantalon gratté, elle est toujours en train de me dire « Tiens-toi droit, mange tes choux de Bruxelles !» C'est seulement parce qu'elle t'aime beaucoup, Bastien. Elle le fait pour ton bien. Qu'est-ce qu'elle en sait? Pourquoi les enfants sont-ils toujours obligés de suivre les conseils des grands? Et surtout, rentre assez tôt pour avoir le temps de te changer. D'accord. Mais ce que j'aimerais échanger, c'est les choux de Bruxelles contre des frites. Monsieur Coriander? Ohé, Monsieur Coriander! Bastien, s'il te plaît, ferme ma clé pendant mon absence. Je suis parti chercher quelques affaires au pressing, car j'ai invité des amis à dîner. Oh, je parie que personne ne l'oblige à manger des choux de Bruxelles. Oh. Fantasia connaissait de gros ennuis. Des villes entières n'étaient plus approvisionnées car le col des montagnes mystérieuses était fermé. Qu'est-ce qui se passe? Votre attention. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Silence! Ah, je sens que je vais encore avoir une méchante migraine. Ah, impératrice, le seul col des montagnes mystérieuses est bloqué par un... Il mesure un... 3 mètres! 3? Il faisait au moins 6 mètres de haut, oui. Avec une centaine d'yeux! Une centaine? Il en avait au moins 1 millier, oui! C'était une bête féroce, une créature abominable... Un monstre! Le monstre des montagnes mystérieuses! Rendez-vous compte, impératrice, il attaque toutes les personnes qui essayent de franchir le col. Le bon peuple de Fantasia ne pourra le supporter plus longtemps. Il doit être arrêté immédiatement. Qu'est-ce que tu proposes, Lazare? Je conseille vivement de partir sur le champ pour les montagnes mystérieuses avec un groupe de volontaires au courage sans limite. Des volontaires? J'aimerais en faire partie, mais je me suis foulé le genou en voulant échapper au monstre. Oh, que j'ai mal, que j'ai mal. Je venais juste de manger. Tout le monde sait que Cobalt doit attendre au moins 4 heures avant de bouger. Enfin, il doit sûrement y avoir parmi vous une personne assez courageuse pour... Moi, j'irai voir à quoi cette chose ressemble, si ça peut vous aider. Nous savons déjà à quoi elle ressemble. C'est un monstre maléfique qui menace le bien-être de nos concitoyens. Cette mission est trop importante pour être confiée à un simple garçon. Mais jusqu'à présent, Bastien a réussi toutes ses missions, Lazare. Jusqu'à présent, peut-être, impératrice. Mais tout de même, un enfant de telles circonstances, c'est de la folie. Non, il faut agir rapidement et avec fermeté. Pour tout vous dire, même votre serviteur conviendrait mieux pour cette mission que lui. Tu ne cesseras jamais de m'étonner, Lazare. Tu es vraiment très courageux pour te porter volontaire avec Bastien. Mais je ne suis pas... Enfin, je voulais juste... Mais mes compétences s'exercent beaucoup mieux dans le... Il a raison, impératrice. Oh. Je ferais bien mieux d'y aller tout seul. Je ne suis pas d'accord. Il faut être ferme et avoir beaucoup de sang-froid pour affronter cette créature. Il se trouve que j'ai les deux qualités. Formidable! Alors en unissant vos forces, vous ne pourrez que réussir. On n'atteindra jamais les montagnes mystérieuses à ce rythme!
Crois-tu que tu sois capable de marcher un peu plus vite? Crois-tu que tu sois capable de montrer plus de respect envers un adulte? Excuse-moi, tu voudrais encore te reposer? N'as-tu donc que cette idée en tête? Te reposer? Mais je... Ah, comme toujours. Moi, j'en ai une bien meilleure. Vous, là-bas, je vous ordonne de nous transporter au nom de la petite impératrice. On va moins vite qu'en marchant. C'est typique d'une personne sans expérience comme toi de parler sans réfléchir. En revanche, moi qui raisonne sur le long terme, je sais combien il est important d'arriver en pleine forme. Hein? Oh, allons bon. Je te fais savoir que nous n'avons pas le temps de faire du tourisme, jeune homme. Ça doit être Moldimor. Et tout là-bas, les montagnes mystérieuses. Il faut abandonner la charrette. Certainement pas. On ne me prendra pas à batifoler dans ces marais dégoûtants. Ah non, nous continuerons par la route et en charrette. Mais on va mettre un temps fou. Le chemin le plus court, c'est par là. Permets-moi de te rappeler, jeune homme, que dans cette expédition, c'est moi le plus âgé. Par conséquent, c'est moi qui commande. Et je dis que nous allons passer par la route. Je crois que c'est tout vu. On va prendre le raccourci à travers Moldimor. Aucune bête aussi que tu sois telle ne me résistera. Secoue-toi, espèce de gros tas de poils plein de poussière. Non, attends. Tout le monde sait qu'il ne faut pas... J'ai dit secoue-toi. Réveillez un Valrondsen qui dort. Bon, l'animal va galoper et galoper jusqu'à ce qu'il finisse par se rendormir. Mais quand? Personne ne peut le dire. Alors je suppose qu'il va falloir que j'affronte le monstre des montagnes mystérieuses tout seul. Hé! Ouais, tout seul! Je prends le commandement de ce vaisseau et de son équipage au nom de la petite impératrice. Mettez le cap sur les montagnes mystérieuses. À vos ordres, elles se situent au-delà de la mer des brumes, capitaine. Je savais depuis le début que j'étais dans la bonne direction. Rien à l'horizon? Absolument rien, capitaine. En avant, tout. À l'avant, toutes! Quel charmant matelot. De toute évidence, ils savent reconnaître un chef quand ils en ont un. Ce n'est pas comme ce petit Bastien fauteur de troubles, Bugs. Je ne pensais pas que ce serait aussi pénible. Lazare avait peut-être raison, j'aurais pas dû quitter la route. C'était quoi? Ohé! Ohé! Y a quelqu'un? Tu m'as phoné? Qui es-tu? Blub est mon nom, rire ma passion. Puis-je te poser la même question? Je m'appelle Bastien. Et en ce moment, je dois dire que je m'amuse pas du tout. Oh, je regrette. C'est trop bête. Quelle belle journée. Tu veux t'amuser? Plus tard, peut-être. Mais d'abord, je dois sortir de ce marais et trouver les montagnes mystérieuses. Moldimor est ma maison. Je vais te montrer comment sortir et tes soucis vont s'évanouir. Merci, Blub. Sur la terre ferme, tu sauras. Blub, attends-moi. Blub, pas si vite, Blub. Écoutez-moi bien. Lorsque nous accosterons, j'installerai un poste de commandement à terre. Vous, matelot, grimperez jusqu'au col pour affronter la bête. Ensuite, vous viendrez me faire votre rapport. Des questions? Aucune, capitaine. À vos ordres. Alors ne restez pas plantés là, tous. Retournez à vos postes. À vos ordres.
Oui, tout se passera le mieux du monde. L'impératrice pourrait même me décorer pour acte d'héroïsme. À l'appel du devoir et... Oh! Abandonnez le navire! On coule! Dépêchez-vous! Au secours! Abandonnez le navire! Abandonnez le navire! On coule! Blob! Blob! Droit devant, évidemment! Tu n'as qu'à me suivre! Moins vite, Blob! Regardez ce que vous avez fait! Pourquoi n'avez-vous pas contourné le rocher? Mais capitaine, vous nous avez dit d'aller toujours tout droit. Quoi? De tous les... Oh, à quoi bon? Comment allons-nous quitter cette île, selon vous? Pourquoi, capitaine? Oh, ne soyez pas ridicule! N'allons pas moisir ici toute notre vie. On viendra nous chercher. Mais quand? Dans une heure, un jour, un mois, un an? Pour nous, c'est du pareil au même. Oh! Oh, que vais-je faire à présent? Blob! Blob! Bonbon, tu as raison, tu es un vrai maçon! Tu me fais marcher depuis des heures! On aurait dû être arrivé! Oh? Qu'est-ce que c'est? Mais ce sont mes empreintes! On est en train de tourner en rond? Ça veut dire qu'on est perdu. Bien sûr qu'on est perdu, sinon je ne serais pas un feu follet. Mais je t'ai fait confiance. Blood n'a fait que ce que font les feux follets. Nous obligeons les voyageurs à se perdre. Et je suis l'un des meilleurs. Hey, c'est quoi? Oh, Blood adore tout ce qui brille. Tu me le donnes, hein? Laurine, jamais de la vie. C'est un cadeau de la petite impératrice. Si tu me le donnes, je te conduirai aux montagnes mystérieuses. Plus d'embrouilles. Ça suffit comme ça. Allez, Oust, laisse-moi tranquille. Jamais je ne réussirai à sortir de là. Perdu aujourd'hui, perdu encore demain. Si Blaise ne t'indique pas le chemin. Ils ont dit que les montagnes mystérieuses se trouvaient de l'autre côté de la mer. L'autre côté doit être quelque part dans les environs. Bestia avait peut-être raison. J'aurais dû prendre le raccourci à travers Moldimor. Confiance. Même cette tête de mule de Lazare vaudrait mieux que ce verluisant. L'impératrice, elle vient à mon secours. Oh. Va-t'en, Blob. Oust. S'il te plaît, donne-le à Blob. S'il vous plaît. J'ai dit non. Hé, hey, waouh. Je veux la voir. Ah ah. Je le savais bien qu'elle me sortirait de là. Ce brillant est en train de gâcher tout mon plaisir. Oh, toujours rien. Pas la moindre petite bande de terre. Oh, à quoi bon nager? Oh, un phare! Je savais que j'étais dans la bonne direction. Non, non. Perdu aujourd'hui, perdu demain! Je ne dois plus être loin des montagnes mystérieuses. Oh! Pourquoi il s'arrête? Je suis toujours au milieu de nulle part. Brillant est peut-être perdu lui aussi. Où est-il passé? Oh, j'aurais dû m'en douter. Oh, ce n'était qu'un mirage. Oh, à quoi bon? Aïe! Qui est là? Bastien. Lazare! Lazare, c'est bien toi! Si tu savais comme je suis heureux de te revoir! Tout va bien? Laisse-moi t'aider! Oh, merci!
Tu n'as aucune idée des ennuis que j'ai connus. J'en ai eu quelques-uns moi aussi. Pour tout te dire, il est encore là, lui. Blev est mon nom. Si tu me donnes ton brillant, je te montrerai le chemin de Voldemort. Je suis contente de te voir, mon petit Bastien. Oh. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Les montagnes mystérieuses. C'est pas drôle. Alors maintenant, jeune maître Bugs, allons à la rencontre du monstre. Ensemble. Et pas autrement. T'as entendu, Bastien? C'est pas vraiment une surprise. Nous sommes les émissaires de la petite impératrice. Tu vois, mon garçon, il faut regarder ces perturbateurs droit dans les yeux. Très bien. S'il n'entend pas la voix de la raison, je vais être obligé de recourir à des méthodes plus musclées. On pourrait peut-être le détruire en provoquant un éboulement, ou mieux encore, on pourrait l'attirer au bord d'un précipice. Tu ne crois pas qu'on devrait d'abord chercher à savoir ce que c'est? Je veux dire, pourquoi s'est-il mis tout à coup à terroriser les gens? Il doit bien y avoir une raison. Non, entendu. Nous allons essayer ta méthode. Je dois avouer que je me sentirais plus à l'aise pour affronter cette chose si elle se trouvait au fond d'un précipice. Ne bouge pas. Je fais de mon mieux. J'espère seulement que tu as minutieusement essuyé tes chaussures. Le voilà. Mince, je l'ai pas bien vu. Arrête de gigoter. Moi, mais je suis navré. Encore heureux, oui. Qu'est-ce qui vous a pris de venir ici et de nous faire peur? On est envoyé par l'impératrice pour trouver le monstre des montagnes. Eh bien, ne cherchez plus. Maman Klump ainsi que toute sa famille à votre service. Il n'y a plus de danger. Vous pouvez vous montrer à présent. Vous voulez dire que le monstre des montagnes n'est autre que... qu'un amas de petits clombs à fourrure? Je ne voulais pas vous offenser. Oui, mais alors, pourquoi vous terrorisez tous ceux qui veulent franchir le col? Suivez-moi. Ils cherchaient à protéger leurs petits. Un voyageur pourrait les piétiner, on ne peut pas prendre ce risque. Pour commencer, vous auriez peut-être dû me prévenir quand même. Mais Lazare, reconnais-le, les clums ont prouvé brillamment ce que travailler ensemble veut dire. Et oui, Bastien, une leçon que tout le monde doit retenir. Voilà, nous avons disposé les panneaux tout autour de l'abri des petits et je vais ordonner que personne n'ait le droit de passer par ici pendant l'heure de la sieste. Ça ira? Merci. Et nous promettons que c'est la dernière fois qu'on entendra parler du monstre des montagnes. Eh bien, mon garçon, maintenant que notre travail ici est terminé... Oui, chef. Il y a quelque chose de très important que j'aimerais te dire. Je ne veux plus te voir le dos voûté, redresse-moi la tête. Voilà qui est mieux. Alors j'espère que tu as retenu la leçon. Tu as vu comment se résout un problème avec de la fermeté? Et du talent. Oui, c'est une chance que j'ai eu la clairvoyance de me porter volontaire en tant que chef de cette expédition. Je suis entièrement d'accord.
Oui. Eh bien, comme je disais, c'est une chance qu'une personne ayant des talents de diplomate et d'administrateur soit venue pour sauver la situation. Tu m'as bien compris, mon cher. Mon bon vieux Lazare. Le col fut ainsi réouvert et tout redevint normal. Et quand Lazare et Bastien durent retravailler ensemble, ils se disputèrent moitié moins. Mais ceci est une autre histoire.